J'ai passé toute ma carrière dans deux instituts de recherche qui tous les deux ont été créés à partir de mécénat privé. L'Institut des hautes études scientifiques dans la banlieue de Paris, créé par Mott Fahn, qui s'est inspiré de l'Institut pour Advanced Study, dont je parlerai après. Et Mott Fahn a réussi le tour de force de convaincre des industriels français de démarrer cette institution, ce qui n'était pas du tout dans les traditions. Et l'autre institut où j'ai été, c'est l'Institut pour Advanced Study, qui est plus ancien, qui est plus grand, qui a été créé par, en 1930 par la famille Bamberger. Et ça signifie que ces deux instituts sont très libres de bureaucratie et ils ne couvrent pas toutes les sciences. Donc le fait qu'il y a ce financement privé fait qu'on n'a pas cette tendance bureaucratique de mettre toutes les sciences dans le même sac, parce que des choses qui sont très bien pour la biologie, des grandes équipes, comment collaborer, est complètement aberrant en mathématiques où les interactions sont entre moindres de monde. Et c'est plus facile pour la bureaucratie de tout mettre sous le même chapeau, et ça peut être très nuisible. Mais le financement privé reste important pour plusieurs raisons. Une, c'est que ça sert un peu de contrepoids. Et par exemple, à l'Institut pour Advanced Study, il y a un moment, le financement de la partie humanitaire devenait extrêmement contraignant et on demandait que l'école de sciences sociales, l'histoire école se dit, soumette à l'avance quelles personnes ils voulaient inviter pour que ce soit approuvé. Et grâce au financement privé, ils ont pu se permettre de refuser ce financement pendant un moment. Aussi, c'est peut-être plus facile de convaincre des privés d'essayer quelque chose de nouveau, sans contrainte, et des choses qu'on ne sait pas si ça marchera ou non, si ce sera utile, mais un financement pour un objet spécifique autre se fait beaucoup plus rapidement avec un tel financement privé. Et en général, pour avoir un petit peu de souplesse, même si le plus gros de l'argent vient de l'État, des petites choses annexes qui sont très utiles pour que les choses se passent mieux peuvent être assurées autrement.